Le 9 juin 2023, se sortait un teaser pour le plus gros projet des 2 ans, alias Minecraft IRL. Voilà. Ensuite, j'ai fait 4 épisodes de Minecraft en juillet, puis ensuite en août, j'ai fait le tournage, le montage. Voilà. Et en septembre, le 4, j'ai fait la miniature. Donc voilà. Et si vous aussi un peu cette vidéo, bien que je vous un peu le deuxième épisode, et semaine prochaine, Minecraft IRL, le documentaire. Mais ça, ce n'est pas le sujet, c'était juste un petit récap. Et ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur YouTube, 2 ans et demi. Et donc je me suis dit, et si on faisait l'un des plus gros projets des 2 ans, alias Minecraft IRL. Je t'explique. Ça va être comme Minecraft. Sauf qu'il n'y aura pas de trucs en lien avec les cubes. Ce sera la base de Minecraft, mais il n'y aura pas de trucs en lien avec les cubes. C'est à cause du montage. T'as compris, t'as capté mon bail. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, il y aura un petit acolyte et on pourra construire des trucs, faire plein de choses. Et dès que. Mais de toute façon, je vous l'expliquerai plus tard dans la vraie outro de la vidéo. Oh, les règles du jeu. Sinon, c'est parti. Maintenant, pour le plus gros projet des 2 ans, Minecraft IRL. Au moment du clap, la vidéo commence. And what you love you do with love. Thing thing build my life. Allez, c'est parti pour un petit peu jouer à Minecraft. Let's go. Allez, on allume. Attends, on allume quoi? Il est où la Xbox? C'est pas grave, sinon je trouve la Wii. Allez, on allume. Il y a quelqu'un? Débordé. Super. C'est pourquoi il y a un cube? Je t'explique, il y a plusieurs zones, plage, mer, grotte, plaine, souterrain marin, île, océan et zoo. Et donc, du coup, une zone égale une manche. Et à chaque zone, il y a ce qu'on appelle des creepers, c'est des hordes de zombies. Et donc, si tu te fais tuer par un de deux, tu retournes ici à la base. Et après, la prochaine manche recommence. Et on le sent dans les deux cas, t'es un petit peu obligé de mourir. Voilà. Voilà, voilà. Et tu auras 2 minutes par manche. Et voilà, t'auras 2 minutes par manche. Et au bout des 2 prochaines minutes, si tu ne te fais pas tuer, et ben voilà, tu pourras. Tu pourras passer à la prochaine manche et prochaine zone sans te faire tuer. Et si tu fais tuer, par contre, bah voilà. Bah voilà, tu passes à la prochaine. Tu retournes à la base et voilà. Bon, allez, sinon, c'est parti. C'est parti! Je te laisse faire l'autre! Et après, on commence première manche. Alors, les gars, vous l'aurez compris, le but et tout ça de la vidéo. Bienvenue à tous dans le projet des 2 ans de la chaîne YouTube Minecraft IRL. IRL, voilà. Donc, je pense que ça va être fou.
Sinon, c'est parti. Première manche, maintenant, et juste, cette vidéo, elle va être longue. Voilà. Je pense, je sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va être longue. Voilà. Prends un petit popcorn et installe-toi bien dans ton canapé, sur ta télé, sur ton ordinateur, sur ton téléphone et tout ça. Et regarde-toi. Voilà. C'est parti maintenant. Ouais, c'était trop bien la plage, mais par contre, le Creeper, il m'a bien tué. Bon, allez, prochaine. Ah bah non. Attendez, on va essayer de construire un truc avec des moules. C'est sûr, il peut pas y avoir des creepers marins. Frère, il peut pas y avoir des creepers marins. Ouais, je fais plein de moules. Le tas de moules que j'ai récupéré là. Le tas de moules que j'ai récupéré, frère. C'est aberrant. Voilà, c'est la forteresse de moules. Ouais, ça, je crois qu'il y a un truc qui est arrivé dans le bateau. Et d'ailleurs, tu veux me montrer, ça va me prendre énormément de temps. Ah, c'est quoi ce truc? Ouais, bingo. Alors, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a toujours pas de creepers. C'est en plus les creepers, ça fait pas sous l'eau en même temps. En même temps, c'est vrai, les creepers, ça doit pas vivre sous l'eau à mon avis. Ça doit pas vivre sous l'eau. Ah, t'as derrière un creeper. Prochaine manche. Ah ouais. Bon bah let's go. Du coup, là je me suis un petit peu mouillé. Il y a 2-3 petits trucs, mais après vraiment c'est moi le creeper qui m'a tué. Faut que je trouve une stratégie pour m'en éviter. Prochaine manche. Les gars, du coup, pour cette troisième manche, on va donc aller dans les souterrains marins. Voilà, on va aller dans les souterrains marins. Et voilà. C'est ça les souterrains marins. Parce que pour faute de budget, j'ai pas très voulu y aller parce que c'est un petit peu dangereux. Allez, let's go. Du coup, les gars. Pas des yeux le sac en plus de ça frérot Gamontel, donc voilà, on est peut-être dans l'univers de Minecraft, mais c'est pas voilà, ça les gars, ce sera comblé un petit peu au montage, mais la touche Y c'est pour avancer, la touche B c'est pour faire quoi déjà? C'est pour assembler. On a vu, c'est sûr là dans
un des grottes à mon avis. Sur avantage, non, il y a sûrement des creepers. Il y a sûrement des creepers dedans. Attends. Les gars, ne faites pas ça, c'est vous, parce que c'est de l'est. Et dire que je pensais acheter des mon bain. Non, les gars. Les gars, c'est dangereux. Ne faites pas ça, c'est vous, s'il te plaît. S'il vous plaît, ne faites pas ça, c'est vous. J'ai bien fait. S'il te plaît, j'ai bien fait. En plus, ouais, grave. Ah, y a un truc qu'on peut construire, c'est quoi ce truc? Un creeper. Non. Mais frérot, par contre la troisième manche c'était super dangereux. Ah oui, si tu sais pas, en fait ça c'est à base ça. Voilà. Voilà, la troisième manche c'était super dangereux. Apparemment la quatrième manche c'était encore plus dangereux. Ah. J'ai pas envie de vous décevoir, tu vois, pour Romain. C'est pour ça que pour le montage, je pense que ça va être un truc de fou. Ouais, je suis sincère. Et d'ailleurs, les gars, la semaine prochaine, il y a un documentaire pour ceux qui savaient pas. Allez, on y va. On va dans l'océan. On va, ouais, aller jusqu'à là-bas. Là-bas, puis après, revenir. Voilà. C'est parti. C'est parti mon kiki. D'abord, on attend le pasteur. D'abord, on attend qu'il y ait le pasteur. On m'a pris en photo. Non, il y a quelqu'un qui m'a pris en photo. Oh, allez, let's go. Allez, le pasteur monte. Et le pasteur descend surtout. Allez, on y va. Let's go. Ouais mon gars, t'es... Je pensais que mon skat va prendre un petit peu plus de 2 minutes. Oh putain, c'est froid. C'est froid, frérot. Mon gars, t'es, c'est froid. Putain, c'est super froid. Attends. Et c'est... Voilà comment c'est froid là, par contre. Je suis sincère. Allez, let's go. Oh putain. Allez, let's go. Oh putain. Ça te nique les pieds, ça. Putain, ça nique les pieds, frérot. En plus, là, il y a un poisson. Un peu, vous savez, Minecraft c'est aussi une exploration. Attendez, on va essayer de construire ça. Regardez, on a fait un petit truc. Donc, au KLM. Les gars, pardon si cette manche dure plus de 2 minutes, c'est normal. Ça commence enfin à être chaud. J'ai chaud, frère. Ça fait trop du bien. J'ai lâché. Je suis désolé. Bon, les gars. Du coup, prochaine manche, allez, let's go! Bon, je me suis encore fait tuer une quatrième fois. En même temps, c'est logique. Bonjour. Tu t'es fait tuer et t'as réussi les 4 manches. Là, tu as été dans une partie plus océanique. Maintenant, il est temps de changer totalement. Et d'aller vers une partie plus terrestre. Tu es prêt? 5, c'est parti, prochaine manche maintenant. Bon bah let's go. Forêt grotte. Actuellement, tu es dans une partie de Minecraft, du monde de Minecraft, entre une forêt et une grotte. Tu devras récolter
plusieurs matériaux sans te faire sauter par un nether au moins de 2 minutes. Et oui, tu es dans une partie terrestre de Minecraft. C'est parti. Ok, donc je dois trouver des trucs. Et attends. Attends. Ça, c'est pas. Allez. Attends. Oh putain, mais j'ai un projet de zinzin. Vas-y, attends. Voilà. Maintenant, tu vas. Petit arbuste. Tu vas être avec les conseillères. Ceci est un petit geste écologique. Voilà. Vous pouvez faire ça, c'est bon. Bravo! Tu as réussi à faire un petit geste écologique dans le monde de Minecraft. Je te félicite. Et juste, Steve, avant, t'étais bien dans le monde de Minecraft avant. Mais pourquoi avant? Pourquoi t'as toujours été dans le monde? T'as toujours été dans le monde de Minecraft? Bah oui, logique, vu que je suis le premier personnage principal. Ah, d'accord, ok. D'accord. Un tronc d'arbre. Tu veux peut-être le détruire pour, je sais pas, en faire une genre de lampe. Un petit objet. Ou peut-être, je sais pas, un genre d'abri ou un truc dans le genre. Ah oui, c'est pas bête. Attends. Wesh. Un nether. Non. Wow, la forêt grotte, c'était quelque chose. Wow. Bon, allez, let's go. Wow, bravo, tu as fait deux actions écologiques pour le monde de Minecraft. Bravo. Prochaine manche. En 6 il est. Wow. Là, je m'aventure dans une île. La Kodak. Bon bah let's go. Faut trouver des murs. Les gars, c'est des murs spéciales du monde de Minecraft. C'est des murs Minecraft. Des murs de murs. C'est trop bon les murs. Oh putain, j'ai une tasse. Les gars. Hey Steve. C'est trop bon les murs de Minecraft. Bah c'est cool. Tout sur cette partie de l'île. Bonjour. Bon. Bon allez let's go. Merci. Mon frérot. Bon allez. Non c'est là faut esquiver au lieu que de construire. Merde me fait tuer. Mais en vrai, l'île ainsi que les murs de l'île, ils étaient trop bonnes, frérot. Oh, j'ai tellement envie d'en manger encore une, mais je sais pas. Vas-y, prochaine manche. Manche 7. Je crois que c'est ça. Bon, du coup, là, t'es dans la partie zoo. Donc, c'est parti. Ah ouais, regarde. Regarde, y a des tigres, des oiseaux, des phoques. Waouh, il y a plein d'animaux. C'est gigantesque. Waouh. C'est gigantesque. Une gorille. Gouga gouga. Boum.
Bien sûr, les animaux seront rajoutés au montage, voilà. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans le documentaire qui sort la semaine prochaine. Ouais, non, rigole. Allez, vas-y. C'est quoi ces plantes? Attends. Il y a un petit peu dangereux. Ok, d'accord. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose à construire ici. Je vous dis, parce que là, la manche 6 et 7, c'est plus des manches. Un peu plus, tu vois, d'exploration. Love you, the time and life. Tu fais quoi là? Bah, je fais de la musique pour réveiller les tarentules. What a mess of you, gotta love you. And I gotta love you, could love you. You gotta love you, I gotta love you, gotta love you. Did I love you, gotta love you, gotta love you, gotta love you. Am I gonna love you, gonna light up? Salut! Is dead. Prochaine manche et dernière manche. Avant de conclure avec l'outro de la vidéo, le plus gros projet de 2 ans, c'est parti, dernière manche, maintenant, à vous! Bon, ou alors, aux autres parents, j'ai l'impression, Steve, tu avais pas mal d'animaux. Et oui, il y a pas mal d'animaux, vu qu'en réalité c'est un zoo. Logique, frérot. Même des espèces pas encore découvertes. Dernière. Ouais. Et franchement, la plaine, c'était super cool. Bon, je me suis trop bien amusé, j'ai conçu plein de trucs. Eh, mais attends. Ce serait peut-être mieux de passer à l'outro. Ce serait peut-être mieux de passer à l'outro. Trop, frérot. Vu que là, t'as fait la base, frérot. Et t'as combattu tous les creepers. Allez, let's go pour l'outro. Hey Steve, ça va? Ça va, Steve? Oui, ça va. Juste, je voulais te donner un cadeau. Ceci est une pioche. C'est une arme spéciale de Minecraft. C'est pour un petit souvenir. Sinon, bravo, bravo Adax. Tu as réussi à sauver Minecraft World, à découvrir de nouvelles espèces, à faire des rencontres inoubliables. J'espère qu'on pourra se revoir, voir dans le futur. Et voilà. Bon, sinon, si tu veux, je te laisse reprendre. Si tu veux, je te laisse prendre le portail. Et voilà. Allez. Bonne chance pour la suite et pour ton avenir. On se reverra dans quelques années, dans 2 ans. Peut-être pour Minecraft RL2, qui sait. Allez, let's go. C'est parti. Je sais pas si c'était un rêve ou la réalité, mais c'était trop bien. Vas-y. Allez. Vas-y, j'ai trop envie de sortir là. Trop envie d'aller sortir. Oh. Trop bien ce jeu vidéo. Les azos. Bon, merci d'avoir aidé, les frérots. Ouais. Ah, ça fait du bien. Ouais. Et en vrai, ouais. Ouais. En vrai, Minecraft RL, c'était vraiment un rêve de gauche. Gosse, franchement, les gars, merci de m'avoir, aidé à réaliser ce projet. C'était vraiment le plus gros projet des 2 ans de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup de me suivre. Ça continue, ma chaîne YouTube continue encore pour des années et des années. Je compte sur vous pour vous abonner, liker, partager, ainsi que commenter. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce gros projet. Qui sait, peut-être en 2025, il y aura peut-être un épisode 2, si ça vous plaît. Sinon, c'était Adax.
Merci d'avoir suivi le plus gros procès des deux ans, alias Minecraft IRL numéro 1. Ciao les actions.